Il y a des fois où j'en ai marre d'avoir trop de talent. Oh putain, j'ai la goal. Ouh là 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 là. Une touche perdue, j'esquive, j'ai gagné. Mais putain. Ok, jure, j'ai esquivé. Nique ta mère. Mais c'est quoi ça encore? Let's go. Boum, Vanaboris. Est-ce que je me fais l'inox noir? En vrai, je peux, hein. La vérité, c'est que je peux. Mais putain, c'est quoi le temps que ça prend pour tirer? Arrête de bouger. Oh. Eh, ça suffit, oui. Ok, ok. Les dégâts colossaux. Les dégâts sont exceptionnels. Ok. Ok, ok, ok. Ok, coup de lance dans le cul. Coup de lance dans le cul, enfoiré, va. Cours. J'ai eu chaud. Il va grave me faire du mal, hein. Il va... Ça va pas. Jure, je peux faire ça? C'est une singerie, hein. Mec, je suis trop chaud. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Pas grave, il me blesse au pire. Pas grave, il me blesse. Pas grave, il me blesse. C'est moi qui te blesse! Oh, il me donne une grosse âme. Il m'a donné une grosse âme, le cochon, en plus. De shield. Comment on s'en bat les couilles? Alors lui, par contre. Ok! Il y a des fois où j'en ai marre d'avoir trop de talent. Mec, je suis trop chaud. Ah ouais, je pouvais faire ça. Tout ça pour ça là? Bon, en vrai, 60. J'ai dit qu'elle pue la merde, je suis un peu mauvaise langue. Ok, les gars, on peut directement aller chez les Gerudo maintenant. La quête, elle s'active où? Faut que je parle à la meuf là. Salut les filles. Quoi? Un homme? Comment ça, un homme? Ici, on est vierge. Il me file toute la tenue. Oh ouais, ok, let's go. Oh putain, j'ai la gaule. Ouh là 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 là. Putain, waouh. Waouh. Je l'ai mis partout. Je suis gris de que dalle. Et le problème, c'est que vous aimez trop les streams de Ponce la Fleur. Oh, vas-y, je peux faire comme lui si vous voulez. Oh, les gars, allons à la cité Gerudo, la cité des femmes. C'est ma cité préférée. Salut les Gerudo, comment vous allez les Gerudo? Tu vas bien la Gerudo? Toi, tu vas bien la Gerudo? Je suis une femme. Bonjour. Comment ça va ici? J'ai une question. Est-ce que le droit des femmes est super important ici ou pas? Parce que s'il l'est pas, attention, je pars chez les Aura. Là-bas, Mipha, c'est une reine, attention, hein. Ok. Bonjour. Oh, ils vendent des vêtements. Le vêtement, il est blanc. Ah. Pas trop mon délire. Ok. Oh, ils vendent des champilames. Des champilames. C'est cool ça. Ça que vous voulez comme stream, bande d'enfoirés? Il me reste une griffe, non? Il me reste pas une griffe? Je crois que je l'ai dépensée dans des bails sombres. Mais elle a pas changé entre Breath of the Wild et TOTK. Riju, ouais. Elle a pas changé, frère. Je crois qu'elle a 15 ans dans Breath of the Wild, elle a 17 ans dans TOTK. Eh bah non, je suis un voyageur, ma belle. Dans ce jeu, on a aucun buzz. On peut même pas rentrer chez les femmes. Faut qu'on aille faire le bail avec les Yiga, j'avais oublié ça. Ok, let's go. On est au repère Yiga. Il est vrai qu'on peut brûler tout ça, les copains. Non! Oui, je sais que rentrer dans un sanctuaire, ça annule la lune de sang, mais là, putain. T'as vraiment une lune de sang maintenant, là? Je perds 3 grosses âmes, 2 petits, 3 batteries. Je peux tenter, mais est-ce que je m'amuse à refaire tout le chemin? Je pense à être mort. Hein. Oh, mais toujours les mêmes chauves-souris! Casse les couilles, la lune de sang. Oh, bah, j'ai plus rien. Et va niquer ta race, c'est bon. Jure! Non, ça, c'est exceptionnel, par contre. Ok, nickel. Oh, oui. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur. Oh, ça, c'est bien. Ça m'est bien. Oh là 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 là. Oh, oui. Alors là, je kiffe, hein. Alors là, je kiffe. Et là, on affronte Koga, ok. Ma théorie, c'est qu'on va affronter Koga et qu'il y aura 10 psychopathes autour de moi qui vont me taper pendant que j'affronte Koga. Et au pire des cas, on a save. Au pire des cas, on a save. Je reload la save, j'en ai rien à foutre, hein. Wesh! Je vais faire quoi? C'est quoi cette singerie? Mais les gars, je dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Je dois faire quoi? T'as pas sauvegardé, mais j'ai save tout à l'heure. Attends, je dois pas refaire tout le machin quand même, s'il vous plaît. Je dois pas tout refaire. Ça m'a ramené au moment où il y avait la lune de sang. C'est une blague? Voyons voir si ça annule vraiment la lune de sang, du coup les sanctuaires. Putain, ça marche vraiment. Le cheat code de fou. Clan Giga, hop, bonjour à vous. Toi, viens ici. Viens ici, enfoiré. Allez. Faut être méga proche. Deux. C'est trop dur. C'est trop dur. En fait, il va à l'inverse de toi. Il va à l'inverse. Comment je fais? Je peux juste pas le viser. Je ne peux juste pas le viser. Comment je fais? Mais je peux juste pas, les gars. Ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. Faut vraiment prendre de l'avance à chaque fois, les gars, bah c'est mort, hein. Allons dans le trou. Je ne peux rien faire. Bullet time, le bullet time, les gars, il est trop nul dans ce jeu.
Qui préfère Demon Slayer? Des gens qui ont pas envie de se taper 300 épisodes de Onigashima où Luffy tape Kaido en boucle et tout le monde se fait chier. Je pense. Ma théorie. Ça nous... Voilà, encore une fois les gars. Hein. One Piece est dans mon top 3 manga préféré all time, mais je peux comprendre que des gens préfèrent voir Tanjiro se battre contre un démon avec une belle animation pendant 3 épisodes que voir Luffy taper Kaido pendant 200 épisodes dont la moitié sont exceptionnels mais la moitié est mid aussi. C'est ma théorie. T'as vu ce qui arrive les gars? Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques petits problèmes. Ok. Attends mais Koga, si je lui tire une flèche électrique dans... Enfin une flèche explosive dans la gueule, est-ce que ça marche mieux? Je vais essayer. Bientôt plus d'arc. Merde, 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 arrête! Ok. Oh, j'ai une âme de... Une âme de sword, c'est bien ça. Attends, j'ai de la chance sur les âmes, là. Toujours un connard de vagabond. Mais c'est une singerie, ça, encore. Hein. Toujours, il y a un tocard qui veut pas suivre le groupe. Qui fait son dissident, là. Là, ils sont beaucoup, par contre. Là, ils sont beaucoup à vouloir la dissidence, ça m'énerve. Ils sont beaucoup, je suis un peu dans la merde qui plus est. Les petits gars sont un peu chiants là en sar. Hein. Un mort. Deux qui est... Deux morts, ok, carré. Il me reste que deux Yiga, ok, super. Je récupère l'âme qui est là-bas déjà. Merde, c'est de la spire ça. J'ai plus qu'un cœur. Tout le monde est mort, ok, nickel. Attendez, si je me protège avec un bouclier, je vais essayer. Ok, les flèches explosives, on abandonne direct le plan. Wesh! En vrai les gars, j'ai pas le frappé. On va se contenter de jouer à l'arc tout le temps. On se contente de jouer à l'arc les gars, comme ça on a le temps de charger. Nickel. Ok, bon bah ça marche plus. Oh putain, ok, ils sont malins, mec. Le dev est malin. Ok, phase 1, c'est fait. Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Je te protégerai. Ah ok, je le baille, d'accord. Je prends pas de risque, hein, dans le doute les gars, je tape tout le temps. Fils de pute, faut pas que je prenne de risque, je le savais. Putain, c'est dur hein.
Il y a la voix d'Homer Simpson, mais c'est trop bizarre. Je galère à articuler, je suis en plein stress. Hein. En vrai, cette phase elle est simple. Cette phase elle est simple de ouf, ok. Et là, je crois que c'est la phase avec. Ok, c'est pas ce qui me semblait. Là, c'est la phase avec le Polaris. Ce fils de. Il est mort ou pas là? Il est mort ou pas? Il est mort, non? Let's go! Oh, bordel de merde! Oh, j'en avais marre. Oh, sa mère la pute. Oh, je commençais à crever de chaud là. Fouah! Putain, lui il était vrai. En fait, le problème c'est pas qu'il était dur. Le problème c'est qu'il fallait refaire le clan Yiga à chaque fois. Et l'auteur. Et je pense que le créateur du mode en était conscient que c'était vraiment horrible. Let's go! Sheikah skill level 1 sur 3, c'était sûr. Mais du coup, les gars, ça peut être quel boss qui me donne les boucliers? Attendez, laissez-moi me nourrir là parce que je vais faire une crise cardiaque sinon. Wesh, elle est où Riju? Elle rempiche en haut. Ah putain, elle est comme ça elle, d'accord. Ah, elle est là, ok, c'est bon. Allez, il va être temps de faire Vanna Boris, les amis. Si je finis Vanna Boris aujourd'hui, les gars, je suis le king, hein, je vous le dis. Ouais, c'est dur à contrôler sa merde. Je fais vraiment la toupie là, par contre. Riju, trop cool, c'est une dinguerie. Riju, c'est vraiment le meilleur prodige. Hein. Enfin, non, c'est Babil, mais après, c'est Riju. Enfin, non, après, c'est Sidon. De toute façon, c'est juste l'horrible Yunobo que j'aime pas, et Revali. Mais c'est vrai que les prodiges de TOTK sont cool en vrai. Je sais pas s'ils ont rendu le truc plus dur ou pas. Mais comment je fais pour tirer sur les jambes? Faut que je saute? Mais comment ils veulent que je tire? T'as pas d'arc équipé? Ah putain, oui, bien vu, je suis un débile mental. Bon, je suis vraiment con. Ok. Ok, prière de Mifa back en plus. Allez, tu sais quoi, là il y a le temps. Viens ici. Et de 3. Et de 4, je suis le GOAT. Flèche normale suffit. Pourquoi elle nous fait des flèches explosives alors? Sors ton arc. J'avais vraiment l'air d'un con. Allez, Vanna Boris. Il est temps de regalérer pendant 15 heures comme pour Varuta. En vrai, est-ce qu'il y aura des gardiens dedans qui pourront me filer des batteries? Du coup, je vais rester dedans pour l'instant. Après les gars, pour rappel, j'ai un putain de double saut. Hein. Ça, c'est aussi ça à rappeler, genre là on va filouter. Hein. Pour ce truc là, il faut aller quelque part, machin, ici. Hop, 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 voilà. Ok, il y a un terminal juste ici. Sauf que, hop, on joue avec les perspectives, toi-même tu sais. Et nickel. J'ai eu trop peur. Alors, je sais pas du tout si c'est comme ça. Mais écoutez, ici ça marche. Et normalement, du coup, en haut c'est libéré. Ok, let's go. Deuxième terminal. Je pense qu'il est derrière ça, ça me paraît évident. Ah, mais putain, je suis con. Allez, voilà, hop. Et il reste que le dernier, du coup, là-bas. Allez, les gars. Il va être temps de souffrir. Bon, pas grand-chose, je demande de sortir. C'est par là? C'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là, putain. Là où t'as mis le feu de camp? Oui, c'est là? Mais c'est pas là, les gars. Oh, bordel de merde! Oh, putain de merde! Ah non, c'est grave. Hein. Ah ouais, non, c'est grave. Hein. On a de la force 3, on va vendre tout ce qu'on a, on va s'acheter des lances, des épées, des boucliers, des arcs.
On va faire le plein de munitions là, les refs. Ah putain, est-ce que je tuerais pas finalement un gardien pour me faire des flèches archéoniques? Avec du recul, tiens. Est-ce que je ferais pas ça? Attendez. Je vais me le faire parce que si je peux avoir des flèches archéoniques, c'est cool. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, si ça reste comme ça, ça va. Hein. C'est quand ton jeu vidéo préféré, c'était OTK. Ok, est-ce qu'il y a des flèches ou pas? Il y a une batterie, c'est déjà ça. Bon, au moins il y a une batterie, j'ai pas perdu mon temps. Du coup, c'est vers là? On m'a dit vers l'est. Les gars, là, je suis au centre. Je suis au centre. Je vais vers là. Je vais vers ici ou je vais vers là? Genre tout droit là? Là, c'est nord. Là, je suis à gauche. Là, je suis à gauche. Tout droit. Oh putain, waouh, ok. Non, excusez-moi, les gars. C'est bon. Plus d'endurance. Aveugle, niqué vorace. Allez. Non, 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 non. Endurance en plus, s'il vous plaît, madame. Non, mais je parle à la, la statue, t'es con ou quoi, toi? Pim, pidulum, pim, pim, pidum. Tu vas à la Paris Games Week? Qu'est-ce que je vais foutre à la Paris Games Week? Pour faire des free hugs à des gamins qui puent la transpiration et pour jouer au nouveau Call of? Eh bah non, merci les gars. J'ai l'impression que c'est tout le temps la Paris Games Week. J'ai l'impression qu'il y a eu une Paris Games Week il y a 6 mois. Allez, laboratoire. Laboratoire, Varuta et let's go! Oui, Naboris, pas. Je sais pas pourquoi je dis Varuta. On fait Naboris après. Alors, je vais vous prendre une lance archéonique, je vais vous prendre un arc archéonique, je vais vous prendre une glaive archéonique, je vais vous prendre un bouclier archéonique, et je vais vous prendre 5 flèches archéoniques. Merci la team. Maintenant qu'on a tout ça, je sais ce qu'on va faire, on va aller voir un petit feu de camp et on va tout save. Maintenant les copains, on peut aller faire Varuta, enfin Vanaboris pardon. La tenue, la tenue, la tenue. Moi, je suis mort. Bon bah, je suis mort. Avec un peu de chance, ils vont me laisser la changer, mais je n'y crois pas une seule seconde. Putain de merde. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui. Attends, attends, mais... Je peux te lock? Je prends la glaive archéonique. Au moins ça fait un test. C'est smooth mon frérot. Eh bah, on m'a dit que c'était dur. Ok, c'est pas simple, mais c'est plus simple que Varuta, les gars. Hein. Pour l'instant, en tout cas. Désolé, hein, mais pour l'instant, c'est plus simple que Varuta. Ah, mais j'ai même pas mangé mon plat. Et c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Hop, chargé. Ok. Hop, hop. Mais en vrai, il a pas l'air si dur que ça, les gars. Hein. Qui est ton prodige préféré? Vraiment, sur les deux jeux combinés? Je pense que c'est Sidon. Je pense que s'il doit faire dans l'ordre, un top des prodiges, ce serait top 1 Sidon, top 2 Babil, top 3 Riju, top 4 Mipha, top 5 Urbosa, top 10 Daruk, top 7 Yunobo et top 8 l'horrible Revali. Ok. J'ai pas mangé! Allez. Je suis un golemon, hein.
flèche archéonique. En vrai, non, t'as raison de les prendre pour la deuxième phase, ça sera plus dur. Et maintenant, le plat. 4 minutes 10. Allez. Elle est rapide, fais attention. Ne la laisse pas me surprendre. Elle a déjà pété mon bouclier, là. Je lui mets cher, hein. Dans l'œil, allez. Ok. Allez. Je lui mets tarif, hein. Je lui mets super cher. Les dégâts sont colossaux, frère. En plus, il me touche même pas là avec ses boules. Deuxième phase. Deuxième phase. Il est pas censé envoyer des pics là ? Si c'est ça, voilà. Ok. Est-ce que par hasard, je n'ai pas un peu été un golemon à vouloir jouer aux flèches au deuxième tour ? Wesh, il a fait mal, enfoiré. Wesh, il fait super mal. Attendez, attendez, attendez. Ok. Allez! Si je le first try, c'est incroyable. Non, il m'a enlevé 5 coeurs. Non, c'est trop dommage, mec, le first try. C'est trop dommage. Je pense que deuxième essai, j'ai win, hein, pour être honnête avec vous, les frères. Allez, allez, allez. Faut pas que je perde de la vie inutilement, en fait. Ça, c'est plus important, je dois pas perdre de la vie inutilement. Elle est rapide, fais attention. Ne la laisse pas te surprendre. Ok, envoie tes boules. La moitié de ma vie s'enlève. Mais c'est quoi ça? La moitié de ma vie, il a pété un plomb, lui. C'était trop beau pour être vrai, hein, il y avait forcément une douille, hein. La douille, c'est qu'il m'enlève toute ma vie. Mais même, il laisse pas vivre, hein. Sois prudent. Encore une attaque comme ça et ton compte est bon. Merci, Robo, ça j'avais pas remarqué. Bravo, ça fonctionne. Dieu merci, il vise mal ses boules, hein. C'est horrible quand t'as pas le niveau 1 en arc. Heureusement, j'ai plein de boucliers.
Allez! Deuxième phase, ok. Yuzu, non, je suis sur ces mules-là. C'est quoi le nom de la commu qui te faut le... J'ai pas de commu, frère. Regarde à ces éclairs si tu ne veux pas connaître le même sort que moi. Ça le touche pas là ? Touche là. En fait, c'est pas assez dégagé. C'est... Je veux bien me soigner, mais je peux pas. Espèce de pute, elle est conne elle ou quoi ? Elle envoie tes piques là, ok. Mais il était sur lui ! Les gars, il était sur lui là ! C'est incroyable ce que je viens de faire. C'était exceptionnel. Non mais what the fuck ? Je peux essayer de le taper à la lance, sinon maintenant que j'y pense. Ne la laisse pas me surprendre. Clochard là. Continue comme ça. Ok. Et je vais essayer qu'une lance là. Ah merde, ok bon. Pas la meilleure idée. Ça marche bien la lance. Ok. Mais pourquoi ça fait tomber au sol? Attends, on va garder les flèches de base. En vrai, je pense que les PCB, je peux taper deux fois au moins. Ok. Bouclier vite. Ok. Je lui mets des dégâts de fou en vrai par contre. Hein. Je lui mets vraiment cher. Deuxième phase, ok. Deuxième phase, j'ai quasiment toute ma vie. Il est où? Il est où? Connard, tu es où? Il est où? Frère! Il est où? Je veux bien, mais il est où? Ok. Vous êtes où? Ça marche pas là? Vraiment, je prenne le dernier qui tombe, quoi. Ok, le dernier qui tombe. Lui, il tombe tard. Et merde, j'ai pas eu. Est-ce que le flèche archéonique, ça marche ou pas? Ça marche pas du tout. Merci, enfin, putain. Allez, descend. Il m'a mis deux coups d'affilée déjà pour commencer. J'ai deux, j'avais pas de bouclier, je sais pas pourquoi. Elle est où ma glaive? Elle est là. Il met deux coups, je suis obligé d'esquiver. Oh, mais le fils de pute, ok. Allez! Encore une flèche, il meurt! Ne me touche pas! Allez, presque!
Il me touche, j'ai perdu. J'esquive, j'ai gagné. C'est quoi ce fils de pute là qui tire directement là? Mais putain! Ok, jure! Jure, j'ai esquivé! Nique ta mère! Mais c'est quoi ça encore? En vrai, non, je fais beaucoup plus mal à la lance, faut vraiment que je vous lance. Ok. C'est bon, j'ai tiré, on attend, il est trop loin là. Montre-lui ce que tu sais faire. Ok. Il va tirer. On esquive, on tire. Ok, on prend la lance là. Non, il est trop loin. Il est trop loin, il est carrément trop loin. Ok, on prend la lance. Je suis trop chaud, je suis trop chaud, je suis trop vif, trop romantique, j'ai trop de buzz. Mec, la lance niveau 1, c'est fort, hein. J'ai eu trop peur. Ok. La phase 1, je l'ai bouillave. Vidéo, t'as vu, t'as côté de Squeeze dans les tendances là, mec. Mec, tu peux prendre un screen et me l'envoyer s'il te plaît sur, sur Discord. Il est où? 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 Tu es où, Julien? Ok. Dommage. Ok, il est là. Julien est là. Ok, on le voit. Julien est là-bas. Nickel. Il va redescendre. On prend le glaive. Putain, c'est vraiment dur. Hein. La phase 2, il est vraiment rapide. Ok. Dans le doute, on commence. Ah, je sais pas s'il retape. Je l'étais sûr. C'est le moment. Petite pute là. Espèce de petite merde. Espèce de petite merde là. Vas-y, vas-y, retire tes lasers. Retire tes lasers, grosse pute. Let's go. Mec, c'était tellement plus simple que Varuta. Oh là 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 là. Je l'ai baisé. Boum, Vanaboris. Allez les gars, deux temples, Ganon et on a fini. Let's go. Et donne le bouclier ou pas? Oui, donne. Ah non. Je pensais qu'il donnait aussi le bouclier. Calamity Curse Increase. Ok, du coup, les monstres passent niveau 3, je crois. Et il faut deux Red Star pour tout garder. Ok, du coup, ça passe niveau 3. Et j'ai pas eu le bouclier, j'ai eu que l'épée, du coup. Et du coup, là. Putain, c'est propre, hein. Allez. Merci d'avoir suivi. Gros bisous, tout le monde. Ciao.